Salut à tous, c'est Zitax. Dans cette vidéo, je vais vous parler de GTA V Online et plus particulièrement d'un ajout récent que Rockstar a fait sur GTA V Online, c'est les voitures télécommandées. En tout cas, une voiture télécommandée plus particulièrement, la RC Bandito, qui coûte 1 590 000 $, qui est sortie mardi. Alors, du coup, on va parler dans cette vidéo de justement, est-ce que ce nouvel ajout à GTA Online est une bonne idée ou pas, du coup. Alors, plus ou moins, il y a plus ou moins des points positifs et plus ou moins des points négatifs concernant ces véhicules-là. Personnellement, je trouve que ces véhicules-là, les véhicules télécommandés, je pense qu'il y en aura plusieurs, pourquoi pas, ça peut être sympa qu'on en ait plusieurs que juste un, mais pour le moment, le premier a été vraiment très satisfaisant à mes goûts. C'est-à-dire que, en plus d'avoir sorti ce véhicule, ils ont sorti de nouvelles courses qui sont adaptées pour ce véhicule, alors certes des courses pas terribles terribles ou des courses difficile on va dire, mais c'est histoire de prendre le véhicule en main. Le véhicule est difficile à prendre en main, il faudra du temps d'adaptation avec ce véhicule pour le maîtriser parfaitement, donc ça c'est plutôt bien et ça rajoute une certaine difficulté. Après au niveau du prix, je trouve que c'est un petit peu trop cher personnellement pour ce véhicule là, 1 500 000, presque 600 000, c'est énorme pour ce véhicule. Personnellement, je l'aurais pas mis à ce prix-là, mais bon, après, c'est les choix de Rockstar. Ça, on le sait que les prix sont généralement assez élevés, mais comme dit, à part le prix, je trouve que le véhicule a beaucoup d'avantages et apporte une nouvelle dynamique et une nouvelle orientation à GTA V Online. Peut-être que du coup, je ne sais pas dans l'avenir si on aura d'autres véhicules télécommandés, je les appelle comme ça, hein, parce que c'est un petit peu des véhicules télécommandés, donc ça pourrait être sympa, franchement, je pense pas qu'ils vont juste en sortir un. Alors, comme dit, il faut faire gaffe au prix, mais franchement, le véhicule est grave agréable à rouler. Alors peut-être pas forcément dans le mode libre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais dans les courses en tout cas, c'est vachement sympa. Le fait de pouvoir booster, enfin le fait de pouvoir sauter, pardon, et le fait de pouvoir mettre des bombes et tout sur le véhicule, ça c'est sympa. Le fait aussi que on ne peut pas changer en fait les caractéristiques du moteur ou les freins, ce qui fait que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent quand même lancer ces courses-là, choisir un véhicule non custom et ne seront pas forcément désavantagés par rapport à ceux qui ont un véhicule custom et ceux qui ont de l'argent. Donc ça c'est aussi un point positif je trouve personnellement. Et ensuite sur ces véhicules là il y a vraiment pas mal de customisation qui coûte forcément très très cher malgré que le véhicule est déjà cher de base, mais moi je trouve franchement que c'est un bon ajout pour les courses et pour les fans de courses comme moi par exemple. J'aime beaucoup, j'ai déjà fait toutes les nouvelles courses qu'il y avait, je les ai trouvées vachement sympas, elles sont différentes à chaque fois, donc franchement j'ai hâte de voir ça. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo présentation des courses, de deux courses, j'attends avec impatience le créateur des courses justement télécommandées. Donc ça c'est quelque chose que j'attends le plus maintenant qu'ils ont sorti ces véhicules là. Ensuite on verra du coup qu'est-ce qui va réellement arriver sur GTA V Online prochainement. N'hésitez pas vous à me donner votre avis concernant les véhicules télécommandés, voilà, dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant ces véhicules là, qu'est-ce que vous en pensez, mais à part que le prix est un petit peu élevé. Dites-moi ce que vous en pensez réellement, est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres véhicules comme ça qui pourraient être sympas sur GTA V Online? Moi je pense que oui. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la fois prochaine. Ciao tout le monde.